Les audioprothèses, c'est quand même un énorme marché. Le problème, c'est qu'une prothèse auditive, aujourd'hui, ça coûte environ 1500 euros. Hein, si vous en mettez deux, ça va faire 2000 euros à débourser. Il y aura un peu plus de 200 euros remboursés par l'assurance maladie. Et si vous avez une bonne mutuelle, vous aurez 1000 euros supplémentaires. Ça veut dire qu'il reste 1800 euros à la charge du patient. Et c'est bien la raison pour laquelle des tas de gens renoncent à s'équiper et donc vont s'exclure socialement, tout simplement pour des raisons financières. Les montants des restes à charge qui sont dus d'abord à une prise en charge trop faible de l'assurance maladie et à des prix libres, et donc de gros écarts de prix, conduisent à des restes à charge importants. Et on l'a vu pour l'audio, notamment pour l'audioprothèse, la France se caractérise par un taux d'équipement qui est l'un des plus faibles chez les malentendants, qui est l'un des plus faibles d'Europe.